know your kind. You sense the power that flows through this land. Yet, you do not fully understand it. Driven by the belief that you can help these troubled spirits. But you cannot hide your weakness from me. You have no power here. Salut à tous, c'est Timmy. Vous venez de voir le trailer de Kena Bridge of Spirits, ou le pont des esprits en français, qui fut présenté hier lors de la présentation de la PS5. Cette nouvelle licence, réalisée par Umbrella, est un studio indépendant américain fondé en 2009 par les frères Mike et Josh Greyer. De base, Umbrella avait commencé comme studio d'animation et de contenu numérique, mais suite à la réalisation du court-métrage de The Legend of Zelda Majora's Mask Terrible Fate, ils ont décidé de se lancer dans le développement du jeu vidéo Kena est en préparation depuis déjà 4 ans. D'une poésie enivrante, la bande-annonce illustre toute la détermination de Kena, lancé dans une quête initiatique pour rétablir l'équilibre de son ancien village, jadis plongé dans une forêt luxuriante. Ce guide spirituel pourra compter sur les Roths, ou Roths, je ne sais pas vraiment comment ça se dit, qui sont des petites créatures qui, en unissant leurs forces, sont capables de désarmer les ennemis, de débloquer de nouvelles compétences et surtout de restaurer toute la végétation un peu à la Okami. Les Roths m'ont vraiment fait penser aux petites noires Roths du film d'animation Ghibli, Le Voyage de Chihiro. Si l'on en croit les développeurs, ce jeu d'action aventure matinée de plateforme tirera parti de la manette PS5, la DualSense, pour offrir un retour haptique simulant la résistance du cordage de l'arc dont s'équipe l'héroïne. L'ambiance visuelle du jeu est magnifique avec toute cette végétation magistrale. De plus, j'ai vraiment eu l'impression de voir un trailer pour un nouveau film d'animation de studio d'animation Pixar. L'éclairage et les couleurs sont sublimes, on voit bien l'effet du ray tracing de la PS5. Concernant le gameplay, il m'a l'air d'être très sympa tout en restant classique, mais en s'inspirant sûrement de The Legend of Zelda Breath of the Wild, avec le fait de foncer sur l'ennemi au ralenti et l'effet bleu autour des armes comme le possède Link avec l'épée de légende. Pour conclure, concernant mon avis, il reste la bande-son du jeu qui sera composée par Théophanie, connu pour ses nombreuses reprises et thèmes de la série Zelda. L'artiste ne devrait d'ailleurs pas tarder à proposer quelques morceaux de ce qui restera sa première bande originale. Je vais à présent vous lire les annotations des frères Greyer, cofondateurs du studio d'Umbrellab. Ce superbe jeu d'action-aventure scénarisé est un projet tenant tout particulièrement à cœur à la petite équipe du studio d'Umbrellab. Difficile de trouver des mots pour décrire l'excitation et le sentiment de fierté ressenti par toute l'équipe lorsque la bande-annonce de notre premier jeu, Kena Bridge of Spirits, a été dévoilée lors de l'événement numérique Le Futur de jeux vidéo sur PS5. Mon frère Mike et moi-même avons créé le studio dans le but de produire du contenu immersif s'appuyant sur des personnages intéressants et des univers au rendu cinématographique. Kena Bridge of Spirits est l'aboutissement de notre vision. Umbrellab est une petite équipe possédant une expérience dans le cinéma et l'animation. Avant de nous lancer dans le développement de jeux, nous dirigeons un petit studio spécialisé dans le développement de personnages pour des publicités animées. Pendant notre enfance, nous déménageons souvent pour suivre notre père lors de ses missions à l'étranger. Les jeux nous ancraient et nous permettaient de nous sentir chez nous. Partout où nous étions, notre passion pour les jeux vidéo nous a inspiré le fan film Majora's Mask Terrible Fate.
Le développement de Kena Bridge of Spirits s'est imposé comme une suite logique pour nous. Kena Bridge of Spirits est un jeu d'action-aventure plongé dans un univers envoûtant, mêlant des phases d'exploration à des combats dynamiques. Les joueurs doivent réunir et étoffer une équipe de minuscules esprits accompagnateurs appelés les Roth, en vue de développer leurs aptitudes et de trouver de nouvelles manières d'interagir avec l'environnement. Grâce au soutien de Sony et aux fonctionnalités de la nouvelle génération de la PS5, que nous avons pu enrichir l'immersion que nous avions en tête afin de pousser plus loin les mécaniques uniques du jeu. Donc ça sera tout pour les annotations des frères Grailleur. Donc pour conclure cette vidéo, Kena Bridge of Spirits est une aventure d'action basée sur une histoire qui se déroule dans un monde charmant, riche en exploration et en combat rapide. Les joueurs trouvent et développent une équipe de minuscules compagnons spirituels appelés Roth, améliorant leurs capacités et créant de nouvelles façons de manipuler l'environnement. Donc le jeu sortira probablement au lancement de la PS5, mais également sur PS4, puis aussi plus tard, sûrement en 2021, sur l'Epic Games Store sur PC. Donc ça sera tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Également, n'hésitez pas à commenter la vidéo en me disant ce que vous pensez de Kena Bridge of Spirits. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'était Chimmy, salut à tous.